Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zewoji aujourd'hui, c'est JSP. J'espère que vous allez bien, en tout cas, moi, oui. On continue du coup là où on était, à la fin des Ruta Dreas. Mais, on avait un petit pressentiment quand même, en effet. Peut-être que c'est pas la fin, et c'est même très fortement probable, puisque c'était trop rapide. On va voir ça tout de suite. Merde, oh, j'ai failli perdre la manette. On enlève la cam, bien sûr. Et je vais vous mettre la luminosité qu'il faut avant de parler avec... ce pantin d'escargot là, on sait pas c'est quoi, hein, c'est des bourgeons, hein, on a préféré appeler ça des bourgeons en effet, vu que c'est le royaume des fleurs. Bref, on est bon niveau luminosité pour vous, vous avez atteint le sommet des chutes dorées, est-ce que c'est la fin que vous avez réussi l'épreuve finale? Félicitations, mais alors ça veut dire que... c'est avec fierté que je vous... Oh, je ne vous ai rien appris du tout. Elle est où? Oh, et ben non, on a littéralement fini, ça sera bel et bien la miniature. Eh oui, voici voilà la miniature de la vidéo, eh oui je pense, tout simplement, puisque c'est une nouvelle graine royale. Et de 3 sur 7, si on avait bien compris. Je vois mal 8 dans une histoire, mais bref, je ne suis pas scénariste de ce film, qui est un jeu. J'ai pas lu, my bad. Mais il y a R. Putain, on est samedi, hein. Ouais, je suis pas trop chez moi en ce moment. Ok, c'est la fin. On a très bien vécu tout ce retour du très beau temps. Hein. Je sais pas pour vous, mais le soleil, mamacita. Hein. Là, on est samedi, un petit peu de pluie, mais il faut encore soleil. T'as vu? Putain, mes cheveux, au secours, quoi. Bref, on s'en fout, au pire. Hein. Fleur, pour retourner, merci beaucoup, ok. Pour rappel, on avait eu un monde secret qu'on avait trouvé. Avec le ressort, mais Osef, vraiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Peut-être pas 7. En tout cas, le pouvoir de la fleur royale, on s'en doute un petit peu. Voilà, c'est maintenant qu'elle va être effective. On va enlever le violet rose. Rose, plutôt. La piranha rose qui est à gauche, en effet. Il nous en reste 3. Donc, c'est bel et bien effectif. Il n'y en aura que 6 plus le 7 qui sera le monde final. Peut-être un monde de Bowser. On ne sait pas. Faut que j'en mette ma chaise. Moi. Hop, petite vermin. C'est le fort buzzer qui parle. C'est immédiatement d'attaquer mes pauvres nuages. Qui ne vous ont rien demandé. Ne criez pas victoire trop vite. Et écoutez ça. Attendez. Les préparatifs de mon énorme prodige suivent leur cours. Plutôt que de lutter, vous feriez mieux de vous réjouir. Pourquoi se réjouirait-on d'un si grand drame arrivé au royaume des fleurs? Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? C'est vraiment inquiétant. Dépêchons-nous de trouver les autres graines. Plus vite on les aura, plus on pourra battre Royal. Il nous en reste 3 en effet. Si tu veux voir le remplacement. Nia. Ah, on peut décider où aller maintenant. En utilisant les graines oranges qui sont dans ce petit monde sympathique. En tout cas, regardez le mont fumeux ici avec même un petit tuyau là-haut. Ça, c'est très intéressant en tout cas. À voir. Et j'ai froid. J'ai froid en même temps, j'ai arrêté les chauffages et bon, moi aujourd'hui. Alors j'en ai 12. Faisons, allez. Les plateformes mouvoyantes, j'ai même pas vu. Putain, alors là, j'ai vraiment rien lu. Hein. Oh, ça s'appelle une petite mise à jour, mais vous avez. Ah, rien entendu, chef. Alors, à gauche déjà, on commence, on sait jamais, on saute. Alors, on devrait pouvoir le casser. On sait pas, on y va. Hein. On devrait pouvoir casser ça. Ok. Pour une pièce, on s'en fout. Lui, on va aller le casser pour voir ce qu'il nous dit, le gâter. Ok, on va le prendre. Alors, regardez là, par exemple. Eh. Incroyable, non? Alors, là, par contre... Ok. Oh, je pensais pas être dessus, mais c'est pas grave. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Ok, alors là, c'est un petit peu la sauce. Proposition.
Ah, il avait perdu son chapeau. J'étais concentré, pardon. Alors, par où devons-nous aller? Ok. Ok, c'est fini, je pense. Hein. On va juste en finir avec cet endroit. Avec, allez, hop, deux petites pièces, on prend, bien sûr. On a récupéré le one-up en plus. On a 11 vies. Et on avance, on est au checkpoint. On va accélérer, je pense, parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire. À part récupérer une petite fleur, parce qu'en effet... Et parfait, ça. Oh. Allez, c'est pas grave. Oh oh. Enfin, c'est pas grave, on peut la casser forcément. Allez, c'est parti, on va être un marteau piqueur, on va être quoi? Oh putain de merde. Ça vous a flippé de ouf, j'ai pas parlé encore. Ok, on est bon. Ok. Osef, t'as ce tuyau à gauche ou Osef pas? C'est la fin du niveau, hein, bien sûr. On s'en doute un petit peu. Alors... tiens, tiens. Oh. Ah, attendez, je l'avais. Comment j'ai fait? Ok, ok. Oh non, non, je l'avais, hein. Je l'avais, on l'avait pris le côté, on est d'accord, hein. Ok, bah je pense que c'est pas Osef, hein, regardez bien. Merde, je suis mort. Ok, je suis pas mort. C'était chaud. Ok, ok, c'est... Waouh. Ok, we get it, I think. But, alors je pense que c'est tranquille, ça. On va juste... Voilà. Parce qu'il nous reste que la dernière grosse plante. Donc on va aller juste rapidement, là, juste pour faire gaffe à ça. Parce qu'on a vu que c'était un petit peu embêtant, des fois. Allez, on avance en tout cas, tac, 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 tac. Et on court, on court, on court, on court. Pas besoin d'aller plus vite, plus loin ou plus fort. Ah, c'est pas grave. Hop, et alors on accélère. Est-ce qu'on pourrait pas passer par en haut quand même? C'est par là, le plus simple c'est par là. Ok, on est plutôt pas mal. Ok, je pense que ça va le faire, attention. Merde, ouf, ah, c'est une disaster class. Allez, c'est pas grave, tant pis, on n'aura pas ce petit produit en plus. En tout cas, on finit le niveau, c'est assez sympathique. Alors attention, parce que lui, c'est très bien qu'il va casser tout si on va pas trop trop vite. Donc on va rapidement et on finit le niveau. Prodigieux, merci, au revoir. Ça fait deux fleurs prodiges en plus, en effet, parce qu'on a eu l'autre en mourant. Ah, ok, c'est bon, ça l'a comptabilisé, j'ai eu peur pour ça. Mais Osef, on est bon. Oh, l'encodage est en surcharge. Alors, oh, ça m'a fait un petit peu peur au niveau. De la place sur le disque dur, mais en tout cas on s'en fout, on continue. Mais on est obligé de le faire ce niveau, by the way. Ah ouais, je m'en étais pas trop rendu compte. Regardez, on peut avoir un petit visu sur Bowser ici. Très sympa comme monde, en tout cas on peut aller ici. Le désert cuisant, et bah écoutez, ah, j'aime bien ne pas suivre les pas des gens, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde, un petit château volant à mon avis, vu qu'on en a déjà eu un, c'est le deuxième. En tout cas la vue avec un mec nous donne... Une pensée pour ça, mais ça peut être une maison à droite, hein. Mais pas du tout le pardon. Le bateau volant de Bowser. Et c'est un niveau que nous allons être trop obligés de passer. Et oui, totalement, on est totalement grisé pour la suite.
Et bien écoutez, on fait cette forteresse volante des îles. On est à 10 minutes de vidéo, donc on devrait être à entre 12 et 15, ça dépend un petit peu de vidéo. Ce qui nous permettra d'aller au désert cuisant pour la prochaine vidéo. Au final, on choisit plutôt cette étape-là. Et on suit... Oh, quoi que, on va voir où ça nous mène. Ah bref, le scrolling. Eh merde. Alors, ok. Bon, 1, 2, 3 déjà. Ok, la bulle peut... Ok. Ok. On monte là. Ouais, c'est pas grave. Quoi? Ok, le tuyau est plutôt sympathique, peut-être une fleur prodige à aller chercher, on va voir ça tout de suite. Ok. 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 Bon, ça c'est simple, efficace. On est au milieu, alors ça, ça peut nous être utile du coup. Un bloc pot, on va peut-être le garder. Est-ce qu'il y en a un autre qui apparaît, c'est la question qu'on se pose. Bah ouais, du coup on le fait le 2, on récupère un troisième. Non. Ok, juste attends, let's go. On va pouvoir le récupérer, ben oui. Alors on va vite. Oh shit, here we go again. On est bien. Et en effet, il fallait peut-être en garder un. Mon nuage. Ok, ok. Ok. On va se mettre vers le bas. Parce qu'on voit qu'il faut aller vers le haut là. Ça va être chaud ça. Ça va être chaud, il va falloir prendre notre temps, mais je pense qu'on a le temps. On avait pris assez d'avance pour accélérer justement, et du coup... Hop. C'est très bien joué de notre part. Ok. Allez, je devais un petit peu reprendre de l'avance ici. On s'en fout en fait, c'est dommage. On est à la graine prodige. On est petit là, c'est ça? Eh ben écoutez. Voilà, voilà. Magnifique. Oh, c'était vers le bas. Allez, on a la bonne vitesse ici. On va récupérer les trois fleurs ici. Enfin, un peu chier, on devait pouvoir passer en haut, mais c'est pas grave. Et le combat! Let's go face à Baby Bowser ou pas? That is the question that we are asking about. Ah non, c'était les robots, c'est vrai, pardon. Il est totalement zappé. Alors, les robots, en effet, c'était assez sympa dans la fin, on va voir si ça l'est toujours. Alors, on part, en tout cas, on rush. Ouais, c'est vraiment niveau difficulté, ça faudra revoir hein, quand même. Mais écoutez, c'est gagné, c'est bien. Go next, hein, j'ai envie de dire. Et attendez, on avait la fleur hélico pour redescendre. D'accord. Et on avait dit entre 12 et 15 minutes, nous sommes sur la 15e minute. 14 et demi là. Eh bien écoutez, on a vaincu ce petit endroit. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite ellipse pour que vous découvriez. Quel est l'endroit que nous pouvons accéder? On va pas aller au désert, on va aller en bas. C'est maintenant. Alors, est-ce que ça vous tentera tout le monde, mesdames et messieurs? On va désactiver ça dans un premier temps pour voir quel est l'endroit. On voit des champignons. Est-ce un petit accès au royaume champignons? Ça pourrait être très sympa. C'est les mines fongiques. Pour la prochaine fois.
faisons la caverne Crocoq, faisons le petit projet à gauche qui est je ne sais quoi. En tout cas, un petit peu de difficulté et nous finirons gentiment cet épisode du coup. Alors, tac. Ok, ok, ok. Ok, alors c'est pas simple, mais on va rush, je pense. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Alors là, on peut avoir ça, mais on s'en fout un peu. Hey! Oh, c'était juste à temps. Alors. Scrolling. Block Po. On l'aura pas celui-là, mais c'est pas grave. Ils vont se gêner tout seuls. On va les bloquer deux fois même. Avoir un petit peu d'avance, ça fait pas de mal. Je pense qu'on devra arriver gentiment. On va mettre ça comme ça. Parce que Zeph et on arrive sur la fin, c'est assez simple. Le rush a bien marché, on rebondit. Tac. On en repose une, bien sûr. Pourquoi? Bah pour faire ça, regardez. Tac, tac. Hop. Et on passe par au-dessus. Oh, la bille, la bille, la bille. Oh, ça aurait été marrant, mais elle a éclaté. Bon, dernier niveau, on se met la cam. Qu'est-ce que vous en pensez? Dernier niveau. On est... Ah oui, on a 17 minutes. C, carré, le S. Petite montagne en fumée, comme on pourrait les appeler. En tout cas, la caverne Crocoq qui est là. C'est là, le buffet Salabafre. Eh, ça fait longtemps qu'on a pas une course Wiggler, vous n'en pensez pas moins, non? En vrai. En vrai, il y en aura peut-être une dans le désert et peut-être pas dans les champignons. Alors. Ok, je pense que le mieux à faire, c'est ça, non? Ou alors... Vu qu'on a les bulles, on s'en fout un petit peu, non? Vu qu'on a les bulles, on se fait un peu, en vrai. Wow! Oh bâtard. Viens! Là, 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 là! Là! Bah. On a mis une trop belle bulle. Attendez, parce qu'on va tomber là, ça va pas être marrant. Ok. 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 C'était joliment joué ça, tiens. Un tuyau, celui-là on devrait pouvoir descendre. En effet, on est concentré, on parle pas de trop en effet. Il faut se concentrer là sur ce move. Alors, est-ce que dans ma tête... Merde! Alors attention, à pas faire d'erreur. Voilà. Ah merde. Ok, ok, il n'y a aucun souci, je pense. Oh merde. Tac, tac. La bulle nous aide! Attention, la bulle nous aide parce qu'on peut faire un rebond. Vraiment, la seule utilité de la bulle... Oh, c'est ça. Alors, qu'est-ce que le jeu nous propose? De sauter, je pense, assez simplement. De re-sauter simplement, de re-sauter simplement, de faire ça. Tac. Tac, tac. On a pas eu de fleur prodige, là? On a raté la fleur prodige. Eh ben, ça fait que 1 sur 2, écoute, Terry. On va finir l'épisode là-dessus sur une... Enfin, un fail, mais sur... On l'a pas vu. Alors peut-être c'était en hauteur, peut-être c'était en basseur, on ne saurait dire. Dans un arbre, dans quelque chose, on l'a pas vu. En tout cas, c'est dommage. On peut même accéder à gauche maintenant grâce à ça, en effet. Mais c'est pas ce que nous allons faire la prochaine fois. Eh ben, c'est simple. Nous allons ici, aux mines fongiques, avec peut-être une course Wiggler. Une mine, donc les champignons phosphorescents, on arrive à voir un petit peu. Ça va être très sympa. Ça peut être que des niveaux de grotte. On les aime pas, attention.
Pour l'instant, c'est vrai que ça va. Il n'y a pas trop de niveau souterrain. Il y a eu un petit peu de niveau aquatique, mais pas grand-chose non plus. Mais bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Comme d'habitude, ça me ferait très plaisir. Les réseaux sociaux sont là pour vous épauler et pour un petit peu suivre ma vie. C'est sympa. J'ai pas mal repris Instagram et j'en suis très content. Et retour sur Twitch le 1er avril, normalement. Voilà, je vous fais mille bisous. Portez-vous bien comme d'habitude. Et bien, une seule dernière chose à vous dire. J'espère que ça vous a plu. C'était The Vosgien. Ciao, ciao.